nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez. Vous êtes avec une abonnée. Et madame, raccrochez vous-même. Alors, mademoiselle. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt. C'est Rorit, pas c'est la sec. Alors, c'est ridicule. Que j'efface. Comme à ma faute, pas du tout. Alors, mademoiselle, dites à cette dame de se retirer. Allô? C'est toi? Oui. Très bien. C'était un vrai supplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Non. C'est une chance. Je rentre il y a 10 minutes. Tu n'avais pas encore appelé. Oh, non. Non. J'ai dîné dehors. J'ai mal. Il doit être 11h15. Tu es chez toi. Alors, on n'a pas de la pendule électrique. C'est ce que je pensais. Oui. Oui. Mon chéri. Hier soir. Hier soir, je me suis couchée d'une suite. Et comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, Arsène, un erreur. J'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secouée. Par devenir, elle a déjeuné avec moi. J'ai fait des courses, je suis rentrée à la maison. J'y crois. Très forte. J'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, je me suis habillée. Marthe est venue me prendre. Je rentre de chez elle. Elle a été parfaite. Tu avais raison, comme toujours. Ma robe rouge, mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi, tu rentres, tu es resté à la maison. Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui. Alors, chérie, c'est en cours. Vous demandez-moi tout de suite. Allô? Non, je suis là. Le sac des lettres, c'est les miennes. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Je comprends. Oh, mon chéri, ne t'excuse pas. C'est très naturel. Et c'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Tu es gentil. Moi non plus. Tu ne me croyais pas si forte. Je te joue la comédie. Ouah! Tu me connais?
Chacun son tour. Non, très bien. J'entends même mieux que tout à l'heure, mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. Je te vois. Tu sais, quel foulard, le foulard rouge. Tu as tes manches retroussées. Ta main gauche le récepteur, ta main droite sur le crâne. Tu dessines sur le miroir des profils des cœurs des étoiles. Thank you.
Joseph, ce matin, vous nous avez coupé avec monsieur. Toi, on avait coupé
merveille. Rien de tout, tu te trompes. C'est moi, tu comprends. Courage de mourir seule.
dormais, j'ai dormi parce que c'était la première fois. Le premier soir, on dort, ce que l'on ne souhaite pas, c'est parce qu'on est mineur. Et la troisième, non, et des jours et des jours, admettons que je dorme après le sommeil irréveil et le réveil et manger et se laver et se laver et sortir et aller où mais mon pauvre chéri je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Martha, sa vie organisée. Voilà deux jours qu'il ne quitte pas l'antichambre. J'ai dû l'appeler, me traverser. Il refuse qu'on le touche. En pas plus, il me mordra. Oui, moi, je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus. Quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Choses ignorées. Tu as la frappée. C'est
tu tires. Toi, si tu me mordais pour rendre la séparation moins pénible, je ne dis pas que tu mentes. Je dis si tu mentais et que je le sache. Si, par exemple, tu n'étais pas chez moi et que tu me dises non, non, mon chéri, écoute, je te crois. Si tu prends une voix méchante, je désirais simplement que si tu me tromperais par mon détour et que je m'en aperçois, je n'en aurai que plus de tendresse pour toi. Allô? Allô? Mon Dieu, faites que le demande! 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 Mon Dieu, faites! On avait coupé. J'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté et que je m'en aperçois, je n'en aurai que plus de tendresse pour toi. Thank you.
Oh, mieux.